Bonjour les cancers, tirage, lecture pour votre mois de février. Ici, deux cartes importantes avec la cigogne et le renard. La cigogne, tout ce qui est changement, mouvement, déplacement. La famille avec le renard, le professionnel, le travail, une équipe de travail. Et nous allons attaquer avec nos quatre coins. Par rapport au foyer, il y a une situation nouvelle ou alors il y a quelque chose à régler avec l'énergie d'un enfant. Dans tous les cas, au foyer, on discute, la discussion peut être un petit peu tendue par rapport à un proche ou toujours par rapport à cet enfant. Pour nos cancers, il s'agit en fait d'un foyer heureux avec un sentiment que ce bonheur s'arrête brusquement dû à des conflits peut-être de communication qui perturbent la stabilité, la sécurité, je dirais, de ce foyer et probablement d'un enfant qui jusqu'à présent était parfaitement aligné, très bien éduqué, stable, sérieux. Et visiblement, il y a des problématiques qui arrivent, et qui entraînent des changements, des modifications, peut-être par rapport à un groupe de personnes, par rapport peut-être à un entourage, par rapport à des collègues. Dans tous les cas, il semblerait qu'il y ait une interaction ici entre ce jeune homme, cette jeune fille, et un groupe social. Peut-être celui-ci fait-il partie d'une structure particulière, d'un centre de formation, d'un établissement scolaire. Bref, on dirait que cette tour va contacter monsieur, si vous êtes en couple, vous, si vous êtes le cancer, votre autre, si vous êtes la dame cancer, afin de discuter pour trouver des solutions. Ces solutions donneront lieu à des discussions, des choix, des décisions qui doivent être prises en relation avec l'apprentissage, en relation avec donc tout ce qui est de l'ordre du livre, que ce soit des documents administratifs, l'apprentissage, la formation et un contrat qui concerne cette personne, cette jeune personne proche, fidèle et dans la famille. Alors, nous pouvons peut-être regarder une autre lecture. Ici, pour le foyer, toujours ce coup de chance ou cette situation de stabilité, de tranquillité qui prend fin, qui est due à des conflits en fait qui sont un petit peu, de l'ordre de la communication. Et par rapport à la stabilité, par rapport à la sécurité, entraîne quelque chose de nouveau qui risque d'être officialisé, mais visiblement très problématique ici et qui va entraîner l'arrivée de changements, de modifications. Ou dans un cercle relationnel professionnel, ou en lien ici avec des rendez-vous qui concernent l'administration, un homme, votre homme ou vous-même, et peut-être un homme important dans votre situation. Ça entraînera des discussions pour solutionner les problématiques en lien avec cette tour, donc avec l'administration, avec l'entreprise ou avec une structure, qui vous donneront lieu à des choix, des décisions par rapport à des documents administratifs en lien avec un contrat, une union, une association pour laquelle vous serez aidé ici. Alors, nous allons voir maintenant dans nos miroirs. Le trèfle et l'encre, il y a une situation quand même assez agréable de conserver une stabilité et une sécurité. Ou peut-être ici que la chance qui faisait partie de votre foyer, le bonheur et la tranquillité vont être un petit peu bloqués. Ici, on nous dit quoi avec le cercueil et les étoiles? Qu'il y a une situation qui se transforme en lien avec des communications. Peut-être une situation tendue, problématique avec le professionnel, avec certains membres de la famille. Le lys et l'homme. Une situation honnête, droite, quelque chose de particulièrement agréable. Ici, se transforme par rapport à ce problème qui arrive en lien avec la structure, avec l'administration.
Qu'est-ce qui arrive vers vous? Un rendez-vous, une situation à régler par rapport à un groupe de personnes. Ici, on nous note donc qu'il y a des changements par rapport à la famille, des modifications, des déplacements ou par rapport au domaine professionnel. Avec la clé et l'anneau, ici, on voit bien qu'il y a des solutions par rapport à ce contrat, par rapport à cet accord, cette union, ou peut-être même au sein de la famille. Avec la dame et le livre, vous allez interagir au niveau administratif, au niveau d'une histoire qui est secrète, au niveau de problématiques en lien avec des documents. Ici, avec le chemin et le travail, on peut parler peut-être d'une séparation d'un travail ou de l'accès à un mi-temps ou quelque chose dans tous les cas qui va changer la donne ici. Mais ça peut être au niveau familial aussi. Il y a une décision à prendre par rapport à la famille. Il y a une décision par rapport au travail. Dans tous les cas, vous êtes acteur de cette situation puisque vous êtes ici placé juste à côté de ces chemins. Alors, dans l'étude de nos colonnes, nous pouvons voir ici qu'il y a une situation au sein du foyer dont on discute. On discute à deux ici avec les oiseaux. Ça peut être une situation un petit peu compliquée parce que ça fait référence en fait ou à votre famille ou à une situation qui était bien installée, qui devient problématique par rapport à un contrat, une union, une association. Bref, ici, on parle d'une stabilité qu'il faut reprendre et de situations à transformer qui restent pour l'instant bloquées. Alors, notre trèfle, le coup de chance par rapport à cette structure, cette administration, cette entreprise avec des solutions à la clé, c'est assez positif ici. La solution qui est trouvée, c'est une transformation de ce contrat, de cette union, cette association, de cet accord. Ça va être tranché rapidement, brutalement même, et ça va donner lieu à des discussions, des courriers. Ici, il y a une proposition de rencontre, de réunion, de rassemblement. Avec le cercueil, le jardin et la dame. Une situation donc qui est bien en cours de transformation par rapport à un cercle, qu'il soit relationnel, social, professionnel ici, et ça vous concerne, mes amis cancer. Donc, il y a des communications qui vont arriver vers vous avec des propositions peut-être assez répétitives, mais dans tous les cas, ça génère un conflit puisqu'il y a un blocage. Ici, on va parler de se faire aider par un ami ou on va parler de cet enfant qui pose problème. Avec le fouet, la cigogne, les chemins, il y a retour sur une situation qui demande à être modifiée, qui demande des choix et des décisions à prendre. On voit bien que cette situation est problématique, ou alors elle se répète. Et ici, on parle encore de stress, de solutions, de monsieur et de madame qui doivent décider avec leur cœur dans une situation de famille ou une situation qui est là longtemps et qui était stable. Donc, il y a bien une stabilité ici pour les cancers qui est un petit peu défaillante sur le mois de février. Avec les étoiles, le cavalier et le livre, des communications qui arrivent vers vous, qui parlent donc de documents, de secrets, de choses cachées, peut-être de formation, d'apprentissage. Donc ici, on parle bien encore de ce contrat, de cet accord, cette union, cette association, qui est problématique en lien avec des documents, en lien avec des choses cachées. Donc évidemment, ça va mettre nos cancers dans un état un petit peu de déprime et de confusion par rapport à la situation de stabilité qu'ils désirent dans leur foyer. Ici, on nous parle que quelque chose va mal au niveau de l'union, de l'association, de l'accord ou du contrat. Avec l'ancre, le serpent et l'anneau. Alors, on voit bien ici qu'il y a un blocage qui est dû à une problématique en lien avec ce contrat, cette union, cette association, cet accord, ou peut-être le cercle familial ici. Et on nous dit qu'il y a des conflits, des communications, une certaine tristesse et des échanges qui vont prendre fin brutalement. Ici, pour accéder à un renouveau, un nouveau départ ou par rapport à un enfant, il va falloir prendre une décision ferme et définitive.
Avec cette dernière colonne, on parle donc de cette situation nouvelle, ce renouveau qui est acté, qui est officialisé vis-à-vis donc d'un proche, qu'il soit un enfant ou un membre de la famille. Des documents, une situation ici qui touche l'ensemble de la famille, dans tous les cas, qui stresse notre ami cancer. Au niveau du foyer, ne vous inquiétez pas, il y a de belles avancées et certainement, on va éclairer cette situation de façon à résoudre les problématiques et aller vers des échanges qui soient beaucoup plus harmonieux. Alors, pour nos diagonales, on dirait bien que pour ce mois de février, monsieur a la clé. Donc ici, on parle bien de problématiques et de propositions qui vont être faites. Avec la maison, la tour et la dame, au sein de votre foyer, une information arrive qui touche l'administration, une entreprise, une structure, un centre de formation. Bref, vous l'aurez compris, c'est à vous que ça arrive. Et ça va occasionner un problème qui va demander un rendez-vous, une réunion, de se regrouper. Ici, avec notre trèfle, le jardin et les chemins. Par rapport à une opportunité de réunion, de rendez-vous, il y a des décisions à prendre. Il y a une transformation au niveau de quelque chose que vous apprenez ou quelque chose qui touche des documents administratifs, une formation, un apprentissage. La situation se transforme, elle génère quoi? Avec la cigogne, des changements, des modifications, un déplacement en lien avec ce livre qui représente les dossiers administratifs, les choses secrètes, les formations et les apprentissages. Donc ici, on nous parle que ces problématiques s'estompent pour laisser place à un éclairage positif. Avec le fouet, le cavalier et l'anneau, on voit bien que ce cavalier vient chercher ce fouet. Alors, il vient chercher des problématiques, des complications qui sont en lien avec ce contrat, cette union, cette association ou cet accord ou ce cercle de famille ici. On nous dit quoi? Que ce qui va arriver est assez brutal et imprévu et va générer des blocages et des retards. Communication difficile, compliquée, problématique avec une personne proche de la famille, un enfant, un frère, un beau-frère. Bref, vous l'aurez compris. Ici, on vous dit que monsieur, un homme important, va être au cœur de la gestion de cette problématique en lien avec une situation qui s'éternise ou alors en lien avec vraiment la famille au sens large. Notre stabilité, notre sécurité et l'officialisation. Ici, on pourrait presque respirer, seulement pour moi, elle est bloquée. Elle est compliquée, elle est difficile, elle nécessite une prise de décision, peut-être même une prise de décision assez radicale. Donc, vous le voyez, Cancer, ici, vous avez à œuvrer avec une difficulté qui est en lien avec cette tour, ce contrat et cette jeune personne ou une situation nouvelle qui se présente à vous. Dans tous les cas, on voit quand même qu'il y a une bonne cohésion au sein du foyer pour résister aux intempéries. Donc pour moi, pas d'inquiétude majeure, simplement une problématique qu'il faut traiter parce qu'elle vous tombe sur le coin du nez et que vous ne pouvez pas la laisser en plan. Donc nous allons regarder maintenant un petit peu tout ce qui est lien et cartomancie pour voir si ça nous apporte d'autres enseignements. Alors, nous avons ici un, deux, trois as. Donc, ces trois as nous parlent quand même d'un profit, qu'il soit relationnel, professionnel, sentimental ou une certaine reconnaissance sociale. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas trop parce que vous voyez, il y a quand même des choses qui sont très positives et donc qui vont s'arranger, évidemment. Nous avons aussi un roi et deux rois. Ces deux rois nous parlent de conflits et on le sait. Ici, que ce soit avec l'administration, que ce soit avec un enfant, que ce soit par rapport à la famille ou au domaine professionnel, il y a bien des tensions sur le mois de février. Nous avons aussi nos trois reines ici, qui sont des petites cancanières qui aiment les indiscrétions et auxquelles il ne faudra pas prêter cas. Il y a nos deux valets. Alors, nos deux valets ici sont deux valets noirs.
Il nous parle de mauvais conseils. Faites attention, les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. On vous dit oui, mais t'avais qu'à pas m'écouter. Ah, mince. Effectivement, vous n'êtes pas obligé d'écouter les conseils. Et là, visiblement, faites attention parce qu'ils pourraient être tout à fait contre vos objectifs premiers. Nous avons aussi 2-10. Ces 2-10 sont 2-10 rouges ici et là. Les 2-10 rouges nous parlent de déplacement, de voyage, de quelque chose qui peut être en projet pour vous sur le mois de février, mais un projet seulement. Si c'est un déplacement, évidemment, avec la carte centrale, on voit bien qu'il va y en avoir. Il y a aussi 4-9. Donc là, on ne fait pas dans la dentelle, hein, on y va carrément. Et nos 4-9 nous parlent quand même de l'entourage avec la réalisation d'un projet et un soutien sincère. Nous avons aussi nos 3, non, nos 2-8, pardon, j'allais les zapper, nos petits 8 qui sont là, qui sont bien côte à côte, donc il faut vraiment en tenir compte ici. On nous parle en fait de quelque chose qui peut devenir sérieux dans le cadre d'une relation. Avec ce 8 de pique, ici, quelque chose qui peut se stabiliser, qui peut devenir sérieux. Donc, si vous êtes dans l'optique d'une nouvelle rencontre, cette rencontre, effectivement, peut devenir sérieuse. Et nous avons, pour terminer, nos 3-6 ici. Ces 3-6, vous le savez, nous parlent d'aller visiter un lieu religieux. Ça peut nous parler aussi d'avoir un besoin de soutien venu d'en haut, n'est-ce pas? Ou alors, tout simplement, de se raccorder aux énergies un petit peu plus puissantes que les nôtres pour pallier à des déconvenues, à des problématiques, comme quand on s'adresse le soir, ben, tout dépend de votre religion, hein, à qui vous voulez, à l'univers, au cosmos, au guide, etc., en leur demandant de l'aide. Voilà mes amis cancer, tirage très fluide pour vous, tout à fait centré. On voit bien que c'est une préoccupation, je dirais, relationnelle, familiale ou professionnelle. Donc sur ce, je vous souhaite un bon mois de février. Je vous accompagne, bien entendu, si vous avez besoin d'une consultation, de conseils ou même d'avoir des renseignements concernant les supports de Martha pour la cartomancie. Et nous allons tout de suite placer les cartes avec les mots-clés pour que vous puissiez vous entraîner avec le petit Lenormand. À tout de suite. Voilà, Cancer, j'ai placé votre tableau avec les cartes qui ont les mots-clés. Vous savez que vous pouvez vous entraîner. Vous lisez les mots-clés qui sont sur les cartes, vous faites la relation avec vos situations. Et pour ceux qui sont des amoureux du petit Lenormand, pardon, et qui sont en formation avec moi ou sans moi d'ailleurs, eh bien, vous pouvez ici avoir un petit entraînement. Je vous laisse quelques instants, faites une capture d'écran, faites pause, faites votre lecture, entraînez-vous, passez un bon moment. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.